une pièce de tissu rectangulaire de 32 décimètres sur 25 décimètres comprend des losanges isométriques dont certains sont noirs, comme sur la figure inexacte ci-dessous. Quel est, en décimètres carrés, l'aire de la surface occupée par les losanges noirs? Voici les mesures de la pièce de tissu, 25 sur 32. En traçant ces lignes rouges, nous voyons grâce à ces mesures que la mesure de la petite diagonale d'un losange vaut 5 et la mesure de la grande diagonale d'un losange vaut 8. Donc, l'aire d'un tel losange se calcule par la petite diagonale 5 fois la grande diagonale 8 divisé par 2. L'aire d'un tel losange vaut donc 20 décimètres au carré. Comme dans le dessin, nous voyons 6 losanges noirs. L'aire de la surface demandée, c'est donc 6 fois 20 décimètres au carré, donc 120 décimètres au carré. Et par conséquent, le E est la bonne réponse.